Bonjour et bienvenue ici le si bienvenue sur la chaîne de la luxure le point gaming le meilleur de l'actualité gaming multiplateforme c'est ici c'est maintenant on commence on a plein 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 de news à parler aujourd'hui allez on commence un petit peu avec alors euh, souvenez-vous on avait eu un débat il y a pas longtemps sur le fait des journalistes qui reçoivent peut-être un petit peu trop de cadeaux de la part des maisons à l'édition de jeux vidéo en disant voilà regardez on vous envoie cette superbe boîte collector gratuitement on va maintenant évaluez notre jeu il est bien vous allez voir et c'est vrai que vous avez dit, bon, bah, ça manque peut-être un petit peu d'éthique dedans, en tout cas il y a de la suspicion de tout. Et euh, j'avais aussi pointé du doigt les éditions euh, magnifiques qui sont envoyées aux influenceurs. Hein. Je pense que les éditeurs maintenant et les développeurs ont bien compris que les influenceurs ont énormément de pouvoir sur les ventes d'un jeu vidéo, beaucoup plus maintenant même que nos amis journalistes. Et donc voilà, donc du coup ils envoient plein de cadeaux et c'est pas forcément génial non plus, mais bon c'est comme ça et regardez. Euh, on a Call of Duty Warzone mobile ici qui envoie des boîtes, ce qui va sortir hein, Warzone mobile et qui envoie des boîtes, des trucs, c'est même au, au-delà d'édition collector, vous avez plein de goodies dans tous les sens, casquettes, euh, boîtes, euh, vous avez le jeu bien évidemment, plein de trucs dedans. Alors voilà, vous avez une bonne amie influenceur qui, se... <laughs> qui sont très contents du coup, alors tant mieux pour eux, hein, mais évidemment après ça a posé la question du, bah, bah il va y tester le jeu et est-ce qu'il ne sera pas un petit peu influencé par tout ça Bon, le débat est évidemment, lancé ici quelque chose qui va arriver sur PS 2 On sent que Sony a peut-être s'est rappelé, ils sont rappelé, il mais on a un casque vert en fait, il faudrait peut-être faire la promotion faire des jeux dessus. Et oui, donc normalement bientôt il y aura Zombie Army, Little Cities Bigger Wanderer of Fate, The Wizard Dark Times Road et plein d'autres. Ils vont essayer d'amener plein de jeux sur leur PS 2 Et surtout la grosse news, c'est ça que la compétitivité PC sera vraisemblablement déployée cette année. Dans un article publié sur le PlayStation blog, Sony Interactive Entertainment annonce être en phase de test pour faire fonctionner son casque de réalité virtuelle sur nos PC. Voilà, ce n'est pas de la rumeur, c'est le blog officiel de Sony. Cela permettra aux joueurs d'accéder à un plus vaste catalogue de jeux PC. Par ailleurs, le constructeur japonais souhaite rendre son PS2 pleinement fonctionnel sur PC dans le courant de l'année. D'autres informations seront communiquées prochainement. C'est, si je l'avais réclamé dès le début, je n'avais toujours jamais compris. Pourquoi lorsque le casque était sorti, pourquoi il n'était pas compatible PC Il y a plein de joueurs PC, parce que c'est de la très bonne qualité. Hein. En termes de tech, en termes de trucs, bon, il est un petit peu cher, mais bon, c'est pas grave. Euh, je suis sûr qu'il se serait très bien vendu sur PC aussi, avec plein de jeux, de l'ouverture au jeu. Je n'ai pas compris. Eh bien, ça y est, ils le font. Alors, c'est vrai que le casque est déjà compatible. Hein. Il est déjà reconnu euh, par euh, Windows. Euh, il est d'ailleurs compatible avec le remote play donc ça facilite beaucoup les choses d'ailleurs il y avait déjà quelqu'un qui avait déployé un petit mode pour le faire fonctionner hein, plus ou moins bien sur Windows, donc il devrait pas avoir trop de mal mais voilà on attend évidemment ça avec impatience en un seul mois Palworld a franchi le cap des 25 millions de joueurs incroyable cela faisait depuis plusieurs jours que Pocket n'avait pas fait le point sur les performances de Palworld. c'est donc chose faite au moment où le jeu fait son premier mois de commercialisation un mois seulement 25 millions la version Steam culmine à plus de 15 millions d'unités vendues et environ 10 millions de joueurs se sont jetés sur la version Xbox. Notons que pour cette dernière, il n'est pas question de vente directe puisque le titre est inclus dans le Game Pass. C'est bon, vrai que c'est difficile de séparer. Il y en a qui l'achètent aussi sur Xbox. Hein. Au total, on dépasse les 25 millions d'utilisateurs en cumulant ses supports. Le studio promet de poursuivre la correction de bugs et la traque aux tricheurs. Voilà, bravo Palworld qui continue. Son ascension Final Fantasy VII Rebirth a reçu des notes extrêmement favorables. Ça y est, les journalistes ont en pu, enfin pu eh bien, sortir leur petit test. Les tests de Final Fantasy VII Rebirth sont tombés aujourd'hui et il se trouve que le deuxième volet de cette trilogie de remake fait déjà figure de grand favori pour le prix du jeu de l'année. Ah, on en est déjà là. <laughs> on est en février, c'est bon, on l'a trouvé. Ça y est, c'est fini. Alors, moi, j'avais dit mousse Bon, c'est pas gagné. Hein. Euh, à mon avis, il va vite disparaître. À l'heure où nous écrivons ces lignes, le titre de Square Enix possède une moyenne de 93% sur Metacritic. L'agrégateur Open Critic, pour 110 avis quand même. Il y a beaucoup, évidemment, beaucoup de journalistes euh, se sont investis de faire un test sur ce jeu qui est un des jeux les plus attendus de l'année, hein, ça ne faut pas se le cacher. L'agrégateur Open Critic affiche également 93% sur 66 tests. Parmi les qualités diables du jeu, on trouve sa bande originale, magistrale, sa dimension semi-ouverte, bien pensée, ses combats dynamiques ou encore son scénario géré d'une main de maître. Ah, la main de maître, j'illustre, j'illustre évidemment. Le contenu n'est lui aussi pas en reste avec une multitude de mini-jeux. Donc voilà, des notes absolument euh, bien, bien mirifiques, mirovolantes par nos amis les journalistes. À voir maintenant, une fois que les joueurs l'auront en main, quelles notes vont-ils donner Et Est-ce que le jeu sera aussi bien pareil Un gros carton, hein. Sea of Thieves. Euh, on a appris que Sea of Thieves maintenant avait plus de 35 millions de joueurs. C'est absolument colossal. Grounded, 20 millions de joueurs, pareil, c'est monstrueux. Pourquoi on en parle Évidemment, parce que ce sont les jeux qui sont portés sur PlayStation et pour certains d'entre eux sur Switch, on l'a pris euh, hier. Donc voilà, donc il y a déjà une base de joueurs monstrueuse et je suis sûr que les joueurs PlayStation seront ravis de rejoindre cette grosse base de joueurs, surtout sur aussi pour jouer en collaboration. Et puis Grounded aussi pour faire des blagues. Je vais, Ça m'a donné envie de me remettre à grandir En plus, il y a plein de mises à jour depuis, euh, depuis que j'ai joué la dernière fois. C'est un très bon jeu, je vais m'y remettre. Peut-être que j'arriverai à jouer avec des joueurs PlayStation, ça va être fantastique. Eldivers 2, qui essaye toujours un bon gré, malgré de lutter contre la surpopulation de leurs serveurs. Et alors, c'est vrai que pour l'instant, il bah, faut attendre le plus gros serveur. Hein. Tout, tout ça est capé à 450 000, donc euh, c'est difficile. Et puis du coup, il bah, y a plein de gens qui, pour ne pas euh, arriver dans les files d'attente et tout... Eh bien, reste connecté mmh, les petits vilains. Et eh oui. Et maintenant, une nouvelle mise à jour. Les joueurs inactifs sont désormais automatiquement déconnectés des serveurs à Red Game Studio, cherche encore et toujours des solutions afin de désengorger les serveurs de Helldivers 2. Justement, le patch fraîchement déployé apporte un petit changement qui pourrait libérer quelques places. Dorénavant, les joueurs qui resteront inactifs durant au moins 15 minutes seront directement reconduits à l'écran titre du jeu. Le but étant de permettre aux utilisateurs qui souhaitent véritablement de jouer. D'accéder plus rapidement au serveur, c'est tout à fait normal, hein C'est pas bien. Cela pourrait aussi réduire les files d'attente parfois extrêmement longues dans hein. le jeu, toujours victime de son succès. Sans prévenir, Microsoft ajoute Dead Island 2 au Game Pass. Alors sur Xbox, visiblement parce que sur PC j'ai regardé, n'y est pas. Bah, donc visiblement c'est que sur Xbox. Le compte officiel de Dead Island sur x.com a confirmé de manière formelle la venue du second opus dans l'abonnement Xbox Game Pass. Ultimate, voilà, alors le problème c'est que bah, c'est un bon jeu, euh, un jeu qui avait fait quand même pas mal parler de lui, les gens s'étaient bien amusés dessus, et alors là ils l'ont mis dedans, mais alors zéro pub, zéro annonce, rien de dit. Au fait, euh, il est là, c'est même des gens en fait, c'est même pas que c'est eux qui ont annoncé juste au dernier moment, s'il y a eu vraiment zéro annonce, c'est des gens qui, ont, qui sont connectés sur le Game Pass. Et qui ont vu ça, ils se sont dit, tiens, regardez, euh, c'est une erreur, non J'ai vu plein de posts sur les réseaux sociaux se demandant si c'était pas une erreur, parce qu'il oui, y avait eu zéro annonce. Mais mecs se sont dit, bah, vous l'avez libéré trop tôt, le jeu, en fait, euh, ils vont l'annoncer pour la semaine prochaine, mais là, il y a quelqu'un, un stagiaire qui a appuyé sur un mauvais bouton. Euh, non, 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 il est bien là, et, et voilà. C est, c est marketing, là, euh, zéro Microsoft. Euh. <laughs> bon. L'acteur Sean Bean apparaîtra dans Hitman World of Assassination. Durant un événement inédit. Alors, le problème, c'est que bah, du coup, on sait déjà qu'il va mourir. Bah oui. Bah oui, puisque c'est Sean Bean. Donc du coup, il va mourir. Alors c'est dommage de louer les services d'un grand acteur, mais si c'est pour spoiler directement, c'est pas la peine, hein, les gars. <laughs> Ayo Interactive a dévoilé sa feuille de route au sujet du contenu qui arrivera dans Hitman World of Assassination. En ce début d'année ainsi, une nouvelle cible fugitive incarnée par le comédien Sean Beans. voilà, vous allez le buter – fera son... C'est peut-être fait exprès, en fait. Fera son apparition gratuitement gratuitement lors de l'événement Zion Undying il aura lieu du 22 mars au 21 avril prochain une chasse à l'œuf dans les rues de Berlin figurera aussi au programme entre le 28 mars et le 15 avril chasse aux oeufs je suis moins sûr des trucs là pour on le voit, ouais. des défis et autres cibles seront également de la partie voilà Elden Ring on en sait un petit peu plus puisque ils ont parlé hein, chez FromSoftware, Software c'est monsieur Hidetaka Miyazaki le directeur du jeu qui a été interviewé et on a quelques petits détails très savoureux. Hein. Les joueurs pourront compter sur pas moins de 8 nouveaux types d'armes, comme les objets de lancer ou alors le combat à main nue. Et ça, je sais que le combat à main nue, ça a l'air d'intéresser plein de monde. Et d'ailleurs, le, euh, c'est pas marqué ici dans cet article, mais Monsieur Miyazaki a déclaré que c'était le gros point marketing de vente du jeu. Alors, il dit voilà, il y a plein de nouvelles armes, vous allez vous éclater. Et du coup, voilà, ça dessus, bon, je crois qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça. Le trailer en plus, on montre quelques unités qui ont l'air absolument excellentes. à Miyazaki a également apporté quelques précisions sur la temporalité de l'extension. Elle se déroulera en même temps que le jeu de base, et pour y accéder, il faudra avoir vaincu au préalable Mug et Radan. Euh, pas facile. Écoutez, hein ouais. démerdez-vous. <laughs> J'en ai chié sur Radan. Euh, IGN ayant pu aussi mener une interview, rapporte qu'en termes d'échelle et de taille, le terrain de jeu, enfin le nouveau terrain de jeu, est comparable voire plus grand que la zone de Necrolimbe dans le jeu de base. C'est quand même pas mal. Hein. Ils ont fait, je pense, du très très bon travail et j'ai vraiment hâte de voir tout ça ici. Eyes of Pi, et oui, le DLC puisque Eyes of c aussi aura un DLC du sous-lac du Xbox Game Pass sera disponible en 2024. Le développeur a en effet révélé que l'extension sera disponible en 2024. Malheureusement, aucune autre information n'a été communiquée à son sujet et il faudra faire preuve encore d'un peu de patience pour se replonger dans ce sombre univers inspiré de Pinocchio. En novembre, le studio avait partagé deux images permettant de découvrir un navire et un autre environnement mystérieux avec des nuances de blanc et de noir. 50 nuances de gris, <laughs> de gris, comme on pourrait dire et évidemment, on aura des nouvelles très, très, très bientôt. Petite blaconnette ici, puisque le monde entier, le monde des gamers euh, d'échecs, euh, est confus après la publication de ce nouveau jeu d'échecs façon Google. Ah, c'est une private joke. Ceux qui ont suivi la news, eh bien, vous savez de quoi on parle et c'est très rigolo. Ah, je m'a beaucoup amusé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je ferai normalement une vidéo après. Voilà, je fais du teasing. Ah, ça vous donne envie hein, de voir, de comprendre un petit peu la blague. Ce voilà, sera une autre vidéo d'aujourd'hui. Vous allez voir, Google a fait absolument. N'importe quoi, ça y est, on a le nom du projet L. Hein. Riot Game annonce que le projet L, son prochain jeu de combat, se nomme finalement 2xKO. Eh bah, tout ça pour ça. <laughs> le nom est pas terrible. Hein. Je crois que s'appelle vraiment 2xKO ou 2 fois peut-être on pourrait dire, pour un jeu de combat. Ça reste bien naze. Hein. Euh, je préférais projet L à la limite. Hein. Jusqu'à présent connu sous l'appellation Projet L, le jeu de combat en 2C2 développé par Riot Games je refait enfin parler de lui, c'est par le biais d'une nouvelle bande-annonce de gameplay que nous avons l'opportunité de découvrir le nouveau nom de ce titre, il va désormais l'appeler 2XKO Le studio prévoit de communiquer d'autres informations prochainement Qui a choisi le nom du truc hein, C'est pas... Tu joues à 2XKO toi Non, ouais, non vrai, ça sonne pas bien, hein. bon, bref WWE 2 24 le roster de 204 superstars a été révélé. Hein euh, <laughs> Les jeux Dragon Ball peuvent aller se, se rhabiller. Là, il y a 204 persos dans le jeu. Et attention, hein, ce n'est pas euh, Dragon Ball Transformation 1, Transformation 2, Transformation 3. Non, 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 non c'est vraiment 204 superstars. Cette année, la simulation de catch de 2K Games proposera un casting de superstars extrêmement fourni. En effet, 204 catcheuses et catcheurs. Figure au programme de WWE, 2K24, ce total comprend 70 légendes et 8 managers. La liste complète est disponible hein, euh, et bien sur le site de 2 Games. Parmi les grands absents, on notera Vince McMahon. Allez, alors, euh, Vince McMahon, euh, il est un petit peu dans la tourmente en ce moment, donc euh, peut-être qu'il y était pendant un moment, il a dû y être, et puis à mon avis, il a été viré. Peut-être qu'il y a des gens qui vont fouiller un petit peu les fichiers, qui vont trouver des, des, des références à son nom, mais voilà, bon, voilà, on comprend. Et Brock Lesnar, en tant que superstar jouable, ces deux derniers ont été exclus suite à une récente polémique. Voilà. Bon, Brock Lesnar, un petit peu moins de polémique. Mais Vince McMahon, ouais, c'est. Bref, euh, mauvaise, nouvelle, mauvaise nouvelle, pour Vice. Alors peut-être bonne nouvelle pour ceux qui n'aimaient pas ce magazine, mais Vice va vraisemblablement, en tout cas le site va fermer. Voilà, euh, ils ont dit, on arrêtera de publier des articles. Bon, alors le, la mauvaise nouvelle, c'est que il bah, y a des centaines de personnes qui vont se retrouver sans emploi. Ils vont tous les virer. Voilà, c'est la nouvelle tombe un petit peu comme ça. Euh, c'est vrai qu'on sait que le monde du journalisme en ligne n'est pas super stable en ce moment. Il y a eu quand même pas mal de magazines qui ont fermé. Là, celui-là, c'est un très gros. Euh, bon, on va voir, à mon avis, ce n'est ni le premier ni le dernier. Hi-Fi-Rush devrait snobber la Switch pour arriver directement sur la prochaine console de Nintendo. C'est vrai que donc on avait appris qu'il y avait quatre jeux qui venaient de chez Xbox qui allaient s'ouvrir aux autres consoles. Et beaucoup s'ouvraient à la Switch, mais pas à Hi-Fi-Rush. Hi-Fi-Rush était juste sur PlayStation. C'est désormais acté. Hi-Fi-Rush débarquera sur PS5 le 19 mars 2024. Ça, c'est acté. Si beaucoup attendaient une arrivée du jeu de Xbox sur Switch, ce ne sera vraisemblablement pas le cas, selon une source contactée par Insider Gaming. Le titre de Tango Game World sera directement proposé sur la Switch 2. Et oui, lorsque celle-ci sortira. Hein donc C'est-à-dire la semaine prochaine. <laughs> Comme j'ai entendu sur YouTube. Donc ça doit être vrai. Les dernières rumeurs faisaient l'état d'un lancement de la machine au cours du premier trimestre 2025. Ça bouge tout le temps. Là, les dernières, c'est 2025. On verra. Peut-être qu'on va revenir en 2024. On va... J'aime bien les rumeurs comme ça, ça saute, ça revient, ça part, ça s'en va et ça revient. Hey. L'adorable The Plucky Squire s'offre trois nouvelles minutes. Pas une, pas deux, mais trois minutes. C'est pas beaucoup. Mais le jeu a l'air absolument fun et absolument excellent. Souvenez-vous, hein, c'est ce petit jeu mignon ici où vous jouez un petit chevalier, euh, plutôt un écuyer, on va dire, hein, Squire, Plucky Squire, voilà et qui mêle à la fois de la 2D et de la 3D, et qui est plutôt très sympa, hein, voilà, qui a l'air vraiment plutôt sympa à jouer. Euh, je me souviens que notre ami benzaï avait vraiment flashé sur ce jeu lors de la première présentation, donc là vous avez 2D, et hop, quand vous pouvez sortir un petit peu à la manière de, de Mario, hein, par exemple comme dans Mario Odyssey, vous avez tantôt des phases, vous êtes en, en 3D, puis tantôt vous avez des phases en 2D comme ça, qui font un petit peu ancien, ancien jeu Mario, ben là c'est pareil, sauf que c'est tout le jeu en fait, vous êtes balader comme ça hein, dans les univers 2D, puis quand vous sortez, vous êtes sur un univers 3D, ça a l'air plutôt sympa, extrêmement qualitatif, très 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 joli. Euh, franchement, la DA est plutôt excellente, donc voilà, faites-vous plaisir avec ces 3 minutes de gameplay. Le MOBA Paragon. Alors, c'est le MOBA qui a été créé et qui est mort, euh, qui a été recréé et qui est remord. Voilà, c'est clair. Le MOBA Paragon The Over Prime fermera ses serveurs le 22 avril, conçu sur les ruines de Paragon, un MOBA imaginé et rapidement abandonné par Epic Games. Hein. Paragon The Overprime Ils avaient décidé de, de le faire renaître de ses sons, de dire, oh, on va le refaire, ça va être génial ». Eh ben non, il connaîtra finalement le même sort dans une poignée de jours, en accès anticipé depuis le 6 décembre 2022. Ça fait longtemps quand même. Hein. Le titre de Netmarble fermera définitivement ses portes le 22 avril prochain. Une version PS5 était attendue elle ne verra jamais le jour. C'est dommage, mais c'est comme ça et on est évidemment déçu pour tous les gens qui jouaient et qui s'amusaient à ça. Sachez maintenant que grâce à une mise à jour sur PlayStation, vous pourrez et eh bien débloquer votre compte non plus avec un mot de passe, mais de manière moderne, hein, comme tous les gens devraient le faire en 2024. Eh bien, avec votre petit téléphone, vous pourrez et eh bien le débloquer grâce eh bien, à votre empreinte digitale à Votre visage ou un code pin, un passkey, hein, comme on dit, voilà. Il n'y aura pas forcément plus besoin du mot de passe. Voilà pourquoi pas. Nier Automata culmine à 8 millions d'exemplaires expédiés. C'est bien, c'est un gros succès. C'est un très bon jeu entièrement mérité. À l'approche de son 7 anniversaire, l'excellent Nier Automata rencontre un succès toujours aussi impressionnant. Au cours des dix derniers mois, 500 000 unités ont été vendues dans le monde. Si bien que le jeu a désormais dépassé les 8 millions de copies expéditées aux quatre expédiés pardon aux quatre coins du globe ici sachez qu'il va y avoir une collaboration entre Dead by Daylight et Iron Maiden et oui je l'attendais absolument pas celle-là vous avez le, le trailer officiel hein, sur le, la chaîne YouTube de IGN certainement sur la chaîne de, de Dead by Daylight donc, voilà avec Eddie vous allez avoir des skins Eddie hein, Eddie le fameux monstre de Iron Maiden hein, pour ceux qui connaissent c'est vrai que c'est un vieux groupe de musique hein, de rock hard rock euh, donc Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne connaissent pas, mais je pense que l'immense majorité de vous évidemment connaît Iron Maiden. Voilà, donc sachez que vous aurez une collab avec Dead by Daylight ici. Petite mauvaise nouvelle, mais bon, pourquoi pas. Hein. Le jeu replaced est désormais prévu pour le second semestre 2024. Un petit peu repoussé en hein, ce jeu et de Sadcast Studio qui sortira Day One sur Xbox Game Pass. Insolite, Monsieur John Cena, et oui, la légende de la WWE, on parlait de Catch justement, il est certainement dans le jeu de Tookay, eh bien, rejoint OnlyFans. Bon, c'est pour faire la promotion de son nouveau film, hein, et je pense pas qu'il sera à poil dessus, et ça ne m'étonne pas, puisque OnlyFans en ce moment dépense énormément d'argent dans la promotion pour, eh bien, remettre dans la tête que sur OnlyFans, il n'y a pas que du cul. Alors, c'est vrai que quand on pense OnlyFans, en général, on pense, eh bien, gens qui se déshabillent et qui vendent des photos dénudées, euh, qui font des. Des vidéos en faisant des choses avec des objets en plastique un petit peu, hein, olé, olé. Mais en fait, euh, non, il n'y a pas que ça sur OnlyFans. Et en ce moment, ils font plein de pubs pour montrer des gens qui font des vidéos dites plus normales. Et donc je pense, là, ils ont proposé un petit contrat euh, avec euh, monsieur John Cena pour bien montrer que sur OnlyFans, et eh bien, on peut faire du contenu tout à fait normal. Mais évidemment, ce qu'on va penser, c'est qu'il va être à poil et qu'il va se mettre des choses dans les fesses. Et je pense pas. Ah, je... Non, c'est pas vraiment le style. Voilà, sachez que Microsoft et Intel. Aurait fait un petit contrat de plusieurs milliards de dollars pour créer des euh, puces customisées, designées par Microsoft pour Microsoft. Est-ce que ça sera pour les prochaines générations de machines, pour les serveurs IA ou peut-être la prochaine génération de Xbox hein, Puisqu'on nous a promis, euh, la patronne Sarah Bond de Xbox nous a promis le plus grand saut générationnel en termes de puissance de console. Hein, C'est ce qu'elle avait dit lors du podcast Xbox, si vous vous souvenez. Moi, je n'y crois absolument pas parce qu'ils nous font le coup à chaque fois et en fait, au final, on a un truc qui est dans la tendance normale finalement. Euh, mais bon, c'est ce qu'elle a dit. Donc peut-être qu'ils vont faire une, une console avec une puce customisée rien que pour eux. Euh, et on verra bien. Ça peut être fantastique ici. Voilà. Un petit message de Boulet Corp ici qui est dessinateur et euh, comme beaucoup de dessinateurs, et eh bien partage une inquiétude sur les IA et notamment l'apprentissage des IA puisque on le sait, il y a beaucoup d'artistes qui sont en procès. Avec notamment euh, OpenAI, hein, ceux qui font GPT, parce que les IA auraient pillé leur dessin pour apprendre. Voilà. Et donc il a appris que Musk, euh, Elon Musk, ils ont allé peut-être faire un partenariat avec Midjourney. Ah bah il essaie de se faire de l'argent, Elon Musk. Donc du coup il a X, il a Twitter. C'est une base de discussion de et d'images absolument colossale. Et Reddit, on a vu, hein, a fait un super contrat de quelques millions récemment pour vendre les données aussi de leur site. Donc à mon avis, Elon Musk dit bah, pourquoi pas moi? Du coup, il y a quelques artistes, hein, comme Boulakov, qui disent que ça leur plaît pas du tout. Voilà. Si ça se fait, et eh bien, du coup, il n'a pas envie d'abreuver gratuitement l'IA de ses dessins. Et donc, il va dire bah, je ne ferai plus de dessins. Alors, moi, ce que je lui propose, et je l'ai retweeté en proposant ça, et ceux, les artistes, eh bien, qui veulent lutter contre ça, je les invite fortement à ne pas juste supprimer vos dessins. Puisqu'il y aura toujours d'autres artistes qui vont de toute façon faire les dessins. Donc, l'IA aura juste un peu moins de, de dessins ou de créations graphiques pour apprendre. Bon, au final ce sera pas si dommage non je leur propose de noyer le site avec des dessins nuls <laughs> et moches et tout pourri donc ce que je propose c'est de de me balancer plein de dessins des, des trucs complètement naze mais faits en 30 secondes tu vois et comme ça l'ia va tout récupérer ça voilà et donc voilà pourrir en fait l'apprentissage de l'ia si vous voulez lutter vraiment contre au lieu de lui donner un petit peu moins à manger Bon, moi, je ne hein, sais pas si ça va vraiment marcher, mais je trouve ça beaucoup plus rigolo de faire comme ça. Et justement, pour parler de Reddit, on a appris effectivement que c'était fait. Hein, quand j'avais parlé, c'était juste une, une idée, une rumeur. On supposait que c'était fait. Eh bien, ça a été confirmé. Reddit a conclu un deal avec Google. Voilà, c'est Google qui va récupérer les données de Reddit pour eh bien faire apprendre, en tout cas améliorer l'apprentissage de son intelligence artificielle ici. Et on a aussi donné que Reddit, du coup, avec tout le cash en supplément qu'ils auront, eh bien, ils vont acheter des bitcoins. Vous faites absolument ce que vous voulez de cette news. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien. Et à très bientôt.